Bienvenue dans l'actu en bref. Voici un résumé de l'actualité aujourd'hui. D'abord en France, des perquisitions ont été menées ce jeudi matin chez plusieurs ministres. Celui de la Santé, Olivier Véran, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et enfin l'ancienne porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Elles ont lieu dans le cadre de l'information judiciaire ouverte début juillet par la Cour de justice de la République pour leur gestion de la crise sanitaire de Covid-19 en France. Les syndicats de police ont été reçus à l'Élysée aujourd'hui par Emmanuel Macron après une série d'agressions en France. À leur rencontre, ils se sont félicités d'avoir obtenu des engagements sur une loi prévoyant un durcissement de la répression pour les agresseurs de policiers. La réunion a duré un peu plus de 2 heures en présence d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, et de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Pour les syndicats, c'est un premier geste vers les policiers. Les nouvelles mesures gouvernementales annoncées hier soir par le chef de l'État Emmanuel Macron pour lutter contre la deuxième vague du Covid-19 en France sont difficiles à accepter pour les Français. La principale mesure concerne un couvre-feu entre 21h et 6h du matin. La mesure sera mise en place à partir de samedi en Île-de-France et dans les grandes métropoles. Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et enfin Toulouse sont concernés. Des dérogations seront possibles pour certains cas particuliers, comme par exemple le travail de nuit. Jean Castex et plusieurs ministres du gouvernement tiennent une conférence de presse cet après-midi. L'objectif est d'apporter des précisions sur les modalités des mesures annoncées.